Dear friends, as paradoxical and surprising as it may seem, 2023 will remain a historic year for advanced by design in more than one way. This is the year the first in human with the Odyssey study with our most advanced drug candidate IBD3001 is being tested for the first time in patients suffering from incurable forms of acute myeloid leukemia. Indeed, as I speak to you, our investigators and hematologists continue enrolling patients at the APHM in Marseille, at the HCL in Lyon, and at the APHP in Paris, to infuse them with the estimated effective dose in humans. Le profil de patient qui a été choisi pour l'étude, ce sont des patients qui ne sont pas éligibles à des traitements intensifs. Et d'ailleurs, la moyenne d'âge de la leucémie aiguë, c'est quand même 69 ans. Donc la plupart des patients qui ont des leucémies aiguës ont des problèmes de santé qui font qu'ils ne sont pas forcément éligibles aux thérapeutiques les plus lourdes. Donc ces patients, une fois qu'ils ont échappé à une première ligne de traitement peu toxique, il n'y a pas de solution curative chez ces patients. Nous sommes pour l'instant dans une monodose, mais au palier 3, nous n'avons observé aucune toxicité, alors que nous sommes dans une zone déjà, a priori, thérapeutique. Alors bien entendu, la phase 1 va se continuer avec une augmentation des doses sur les paliers 4, éventuellement 5 et 6, mais surtout, ce qui va être très intéressant, c'est le passage sur l'injection du produit en multidose. C'est là que l'on va espérer avoir déjà des marqueurs d'efficacité du traitement sur la leucémie aiguë. Cette phase 1, effectivement, par définition, c'est une phase de définition de la toxicité. Néanmoins, la phase multidose, c'est-à-dire la deuxième phase de l'étude dans laquelle on va utiliser le DIMET sur plusieurs perfusions, c'est une phase qui est destinée à préparer la phase 2, c'est-à-dire la phase où on va essayer de détecter des marqueurs d'efficacité. Ce schéma que l'on va développer dans la phase multidose, ça sera la base des cycles futurs de traitement par le DIMET qui va être utilisé dans la phase 2. À l'heure actuelle, il n'y a pas de drogue qui ait montré une efficacité très significative sur ce type de patients en dehors de niches très particulières, c'est-à-dire des patients ayant des anomalies moléculaires très particulières, mais qui ne représentent qu'une petite fraction des patients atteints de leucémie aiguë en rechute. Very confident in our future, thanks to you, we were also able to finance around 10 research programs and identify ABD171, a second lead compound with high potential in solid tumor types, where resistance to treatments is significant. Our teams are working hard on its clinical development to launch the clinical phase by 2026. The potential for therapeutic progress is amazing today. We are pioneers in research into ALDH inhibitors. We have been able to create an ecosystem in which our R&D, combined with internationally renowned scientific partners, has the potential to create exemplary high-level research with high collaborative value. Quand j'ai été contactée par les fonds Xeris en été 2019, j'ai eu aussi le plaisir de rencontrer M. Jacques Simonet qui m'a présenté aussi les travaux de son entreprise Advanced Biodesign. Et dans ce contexte, pour moi, c'était évident qu'il y avait un intérêt à une mise en relation avec le Dr Bassam Janji, qui est du département de Cancer Research du Luxembourg Institute of Health, et avec également le Dr Guy Berchem, qui est médecin oncologue du Centre hospitalier de Luxembourg et aussi responsable directeur médical du Luxembourg Institute of Health. Nous avons commencé à collaborer avec Advanced Biodesign sur les inhibiteurs à ALDH dans le but de regarder si on peut associer ces inhibiteurs à ALDH à l'immunothérapie. Pourquoi ? Parce que l'immunothérapie marche en clinique, mais pas chez tous les patients. Il y a un très grand nombre de patients qui sont résistants ou qui ne répondent pas à l'immunothérapie. Donc, notre but, c'est de regarder si, en associant ces inhibiteurs à ALDH avec l'immunothérapie, on peut traiter de plus grand nombre de patients avec cette stratégie thérapeutique. Basé sur les résultats très encourageants que nous avons obtenus jusqu'à maintenant, je suis très optimiste quant à l'utilisation des inhibiteurs à ALDH en clinique, en association avec l'immunothérapie. Ceci va ouvrir la voie pour traiter des patients, de plus grand nombre de patients
avec cette combinaison innovante. We have been able, thanks to you and thanks to Xeris, to establish ambitious therapeutic advances objectives in the treatment of the most severe, resistant, and too often recurrent cancers. Thanks to the investigations we are carrying out, we will identify potential therapeutic synergies for each patient to increase the effectiveness of existing treatments. It is a great pleasure for our entire team to be able to administer our drug candidate to patients and to be able, from 2026, to both prove its superiority on patients suffering from acute myeloid leukemia and at the same time prepare for the clinical phase 1 trial in solid tumors. These two steps, which we are convinced will be successful, will allow us to validate the alliances with a big pharmaceutical company. We have the potential to revolutionize the care of these patients, and nothing can stop us. May each of our collaborators and partners be thanked here, and may each of you who contribute to this success be assured of our great and infinite gratitude. Thank you.